Hey Bull, tu savais qu'on pouvait lire l'avenir de quelqu'un dans les lignes de sa main? N'importe quoi. Laisse-moi essayer. Tu vas voir. Là, je vois dans ta main que tu es assis sur un trésor. Ils sont trop ouf, ces humains. Oh, regarde, une pièce. Et maintenant, je vois que tu vas attraper des puces. Elles vont te piquer et ça va te gratter tout partout. Des puces, ça gratte. C'est vraiment vrai? Attends, je vois autre chose. Pour chasser les puces de la maison, il faudra que tu sois courageux et que tu donnes un bon bain à Bill. Un bain? Un bain? Ah, ça non! Pas le bain! Non, 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 Aaron, non! Poisson d'avril, Bill! Ouais, d'accord, c'est quoi cette histoire de poisson? Oh, fais pas cette tête! Aujourd'hui, c'est le 1er avril, le jour où tout le monde peut faire des blagues à ses amis! On te fait marcher depuis le début! C'est moi qui ai mis la pièce de monnaie sous le coussin! Et j'ai fait semblant d'avoir des puces! Attendez, si je comprends bien, les humains ont un jour spécial dans l'année pour faire des blagues aux autres en lisant l'avenir dans les lignes de la main. Et... partez! C'était trop bien! C'est sûr, tu as un don! C'est vrai, tu as un don. Comme moi. Tu as aussi un don, toi? Bien sûr. Moi, je sais lire l'avenir dans les lignes de la pâte. Mais oui, c'est ça. Pourquoi pas dans les étoiles, tant qu'on y est? Bon, bah si vous me croyez pas, je vais aller voir ailleurs, tant pis. Non, attends, je veux savoir, moi. D'accord, je vois que tu es... une tortue. Waouh, ça oui c'est vrai. Je vois que ton meilleur ami est un chien. Caroline, c'est pas écrit dans ta patte ça. Tout le monde le sait enfin. Et aujourd'hui, tu vas attraper un coup de soleil. Oh là là, un coup de soleil. Non. C'est bon, j'ai plus rien à craindre maintenant. Qu'est-ce qu'il lui prend à Caro? Je sais pas du tout. C'est sans doute un de ses nouveaux jeux. Allez, c'est parti, au suivant. Salut Bill. Dis, t'as remarqué ma... Hein? Donne ta patte, je vais deviner. Tu viens de sortir du toilettage. Oui, c'est vrai. T'as vu ma nouvelle coupe? J'ai dû rester 3 heures sans bouger. Mais ça valait vraiment le coup, non? Mais c'est incroyable comment t'as deviné. C'est simple, j'ai un don, tu vas voir. Oh non! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que ma patte est sale, je le supporterai pas. Non, ta patte n'est pas sale. Par contre, ton avenir, si. Demain, tu n'auras pas de toilettage. Hein? Quoi? Une journée entière sans toilettage? Mais c'est pas possible! La bonne nouvelle, c'est que ta patte ne dit rien pour aujourd'hui. Tu pourrais y retourner, non? Oui, je pense. Mais j'ai pas rendez-vous. Il faudrait une situation d'urgence. Roule-toi dans le sable. Quand tu seras toute sale, ce sera une situation d'urgence. Ça va pas, non? Tu rêves, hors de question que je me salisse. T'es sûr? Le toilettage ferme dans 1 heure. Allez, loulou. Oh. Mon shampoing. Voilà, c'est bien. Et n'oublie pas derrière les oreilles. Mais elle est devenue zinzin ou quoi, loulou? Petit chaton profite d'un moment détente sans sa maîtresse. Que dirais-tu d'un gentil doudou pour évacuer le stress? Loulou, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai pas le temps de...
Bon, elle est d'accord. Mais dans ce cas, pas de toilettage demain. C'est exactement ce que Bill avait prédit. Il est trop fort. Mais si, Bill l'a prédit. Je vais attraper un coup de soleil. Hé, Bill, c'est quoi cette histoire de... Oh, waouh! Je vois que Pouf va te donner un truc super bon à manger. Enfin, si tu lui fais un gros câlin. Un câlin? Non, c'est pas question, hein. Les câlins sont comme des œufs à moelle, très rares et très chers. Bah, peut-être que je vais faire une exception. Hé, mais arrête, qu'est-ce qui te prend? Oh, dis donc, il t'aime bien. C'est la première fois que je le vois aussi affectueux. Oui, tu as la cote, Pouf. Oui, c'est bien, mais arrête maintenant, d'accord? Parce que sinon, tu vas me faire tomber. Mais ma place. Non, non, mais j'y crois pas, c'est vraiment arrivé. C'est trop fort, les blagues du 1er avril. Bill, tu viens avec moi? Tu devrais attendre un peu, je sens qu'il va y avoir du spectacle. Et pas de toilettage demain, n'oublie pas, hein? Pas de toilettage demain, pas de toilettage demain, pas de toilettage demain. Je peux pas me passer de toilettage, faut absolument que j'y retourne tout de suite. Mais elle est complètement ouf. Et comment tu savais qu'il allait y avoir du spectacle? Bah, je peux prédire l'avenir, regarde. Oh, par mes oreilles, Caporal va te griffer les fesses. Caporal! Alors, tu veux me griffer les fesses, à ce qu'il paraît? Ça va arriver, ça va arriver. Hein? Salut, Caporal, belle journée, hein? Désolé, mon pote, je crois que ta prédiction n'arrivera pas, finalement. Ouais, mais ça serait arrivé si Robin n'avait pas tout gâché. Oh, la glace, c'est plus froid que ce que je pensais. Elle a vu, j'ai attrapé un rhume. Et moi, ma maîtresse a refusé de s'occuper de moi une troisième fois. Bill, il faut que tu leur dises maintenant. Nous dire quoi? Poisson d'avril. C'est parce que le 1er avril, les humains se font des blagues. Les lignes de la pâte, et vous y avez vraiment cru, c'est trop fort. Attends, ça veut dire que je me suis salie comme ça pour rien du tout? C'est pas juste. En plus, la journée des blagues est déjà finie. On peut plus rien faire, nous. Mais si, au contraire. Blaguera bien qui blaguera le dernier. Écoutez. Robin, un problème? Non, non. Mais j'ai découvert qu'on pouvait lire l'avenir de quelqu'un en regardant ses yeux. Bien essayé, mais c'était hier, le 1er avril. Oui, je sais, mais justement, c'est pas une blague. Ouais, c'est logique, mais bon, par contre, c'est quand même un peu bizarre que tu aies le même don que moi. Mais c'est pas un don. Tout le monde peut le faire. Viens, je vais te montrer. Je vois que Ming va bientôt passer devant chez nous en skateboard. Quoi? Arrête, Caro, je sais que tu me fais marcher. Je vois que quelque chose va venir du ciel et tomber directement sur ta truffe. Nom d'un os à moelle, c'était vrai. Quoi? Je veux savoir ce qui va m'arriver, Caro.
Bill, j'ai vu que papa allait te forcer à prendre un bain. Un bain? Comment ça un bain? Non, je veux pas, faut que je me cache. Bill, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as tout gagné, direction le bain. Oh non, pas le bain, tout sauf le bain. Et moi un bain. Voici la ville. Ben oui, le mois d'avril c'est pas fini. Les humains font des blagues juste le premier jour, pas nous. Vous m'avez bien eu les copains. Je vous demande pardon de vous avoir fait marcher. Il reste un peu d'eau dans ton bain, hein? Je peux y aller? Si tu te dépêches, elle sera encore toute chaude. Génial! De l'eau chaude! Hey, les copains, j'ai une super idée. On recommence demain, mais cette fois, les blagues, on les fait à boule. Ouais, ouais. À table. Et voilà le travail, ton portrait sur un ballon. Oh, c'est le plus beau des ballons. Bravo, Boule. Bill, à toi. Une tortue volante, c'est trop de la balle. Attrape-la si tu peux. À moi, fais la passe. Et c'est une réception de folie, le public applaudit. À toi, Caro. Et c'est Bill qui récupère le ballon. Enfin, un beau ballon. Oups. Oh ben non, mon ballon. Espèce de sac à puce à moustache, tu vas me le payer. Caporal, mais pourquoi t'as fait ça? C'est de la méchanceté gratuite parce que t'es un vrai vilain. Oh, je suis un vilain. Oh là là, on peut plus rigoler. Non, Bill. Attention, Madame Stig est là. Viens là, mon gros vilain chaton. Tout va bien, Madame Stick? C'est une calamité, il esquinte tout à la maison. Vraiment? Il a l'air si mignon. Mignon? Un vrai faucheton, oui. Arrête, Bill. Bill, mais qu'est-ce que tu as? Tais-toi donc un peu, tu es impossible. Oh, ces animaux. Si tu continues, c'est toi qui seras puni. Et pourtant, regardez-moi ça, un béret tout neuf. J'avais déjà prévu d'emmener ce garnement se faire limer les griffes. Entre nous, ce sera plus sûr pour ce soir. Pas vraiment mignon. Hasta la vista. Hasta la vista. Oui, c'est ça, ce soir. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Eh bien, j'ai un dîner de boulot très important avec ma patronne. Papa m'accompagne et Julie, ta babysitter, n'est pas libre. Alors, Madame Stick a gentiment accepté de te garder. Quoi? Mais non, je peux me garder tout seul. Et puis, y a Bill. Toujours prêt. C'est décidé et Madame Stick est ravie. Elle m'a dit qu'elle te préparerait des jeux. Oh non, c'est pas juste. Ce qui est juste, c'est d'emmener Caroline chez la toiletteuse pour un lustrage de carapace. Elle adore ça. Oh, ma Caro, ça va te remonter le moral. T'as l'air toute triste. Ah bah quand même. Je t'ai à l'œil, mon bonhomme, et je te conseille de te tenir à carreau. Et surtout, limez-lui bien les griffes, c'est plus des rideaux que j'ai, c'est des poireaux. Ah bon? Ouh là là, le vilain. Bon, je vous laisse mon petit monstre. Ouais. À tout à l'heure. Oh là là, le cauchemar, une soirée chez Madame Stick. T'inquiète pas, toi, t'es pas obligée de venir. Et le dîner? On n'a pas pensé au dîner. Oh, pourvu que maman ait prévu un truc. Un truc? Ben oui, imaginez que pour le dessert, Madame Stick nous prépare des croquettes pour chat gratinées avec de la chantilly. Croquettes royales à la caporale. Bill, tu crois que Boule va me faire un autre ballon? Un ballon gros comme ça, encore plus beau que le premier. Au fait, je t'ai trouvé des nouveaux ballons. Tu peux même choisir la couleur. Hein? C'est le béret de Madame Stick que Caporal a abîmé. Il a dû tomber de sa poche. On va lui rapporter au salon de toilettage.
Encore toi et ta bande. Arrête, fais pas ton malin, dans 5 minutes t'auras plus de grippe. Caporal, je te conseille de te tenir à carreau, mon bonhomme. Je t'y allais. Voilà, voilà, ça va être son tour, madame. J'ai bientôt fini avec... Oh ben ça alors, j'aurais juré entendre madame Stick. Allez hop, caporal, c'est ton tour. Je t'y allais, mon bonhomme. Tu lui as rabattu son caquet, Ominet. Madame Stick, c'était toi? Bill, je crois que je viens d'avoir une excellente idée. Bill, calme-toi, qu'est-ce qui te prend? Ben alors, mon mignon, t'as envie de sortir? Évidemment, avec un temps pareil, tu serais bien mieux au parc. Il est intenable. Ce serait possible de prendre un autre rendez-vous pour Caroline? Mais oui, passe quand tu veux. Oh, c'est vrai? Super! On peut emmener Nala en balade avec nous? Je vous la ramènerai après. Ah, c'est pas la peine. Elle rentrera toute seule. Cette gourmande ne raterait son dîner pour rien au monde. Dîner? Où ça? Où ça? Bonjour, une baguette. Et bien cuite, s'il vous plaît. Donnez-moi 4 baguettes, s'il vous plaît. Comment faites-vous pour travailler dans ce vacarme? C'est insupportable. Je n'ai jamais demandé 4 baguettes. Ce marteau-piqueur vous tape sur le système ou quoi? Mais madame, c'est vous qui perdez la boule. Vous venez de me demander 4 baguettes. Ça marche comme sur des roulettes. Hein? Qu'est-ce que... On a oublié un truc? Bill, t'es génial! C'est le détail qui fait tout! T'es trop fort, Bill! Cette boulangère a vraiment un grain! Me voilà avec 4 baguettes! Nala, si t'allais l'observer de plus près... Oh, c'est parti, mon toutou! Voilà rentré, mon chaton d'amour. Mais j'ai du travail. Je ne peux pas m'occuper de toi tout l'après-midi. Alors, chatounet, ça y est, t'as perdu tes griffes? Attends un peu, toi, chaton. Si tu ne laisses pas ce sale ce chien tranquille, ça va barder pour ton matricule. Une opération, je s'impose. Reconnaissance vocale activée. Georges, programme jeu. Papa, loup frisbee, chaton. Chaton n'a plus de grippe, il peut plus rien attraper. Et par pitié, essaie de laisser Bill tranquille. Je te rappelle que vous allez passer la soirée ensemble. Georges, caresse. Sois sage maintenant. Et pour le goûter, tu pourrais partager tes croquettes en signe de paix. Jamais. Hein, qu'est-ce que tu en dis? Jamais. Non seulement t'as plus de griffes, mais tu tiens plus debout, dis donc. Elle t'aurait pas aussi taillé les moustaches? Je vais te... Mais enfin, vas-tu laisser Bill tranquille? Vas-y, tu peux demander tout ce que tu veux pour faire tourner en bourrique cet éclateur de ballon. Je voudrais bien le voir jouer au frisbee, ce gros malin. C'est parti. Georges, programme frisbee avec boule et Bill. Salut, caporal. Si on avait su que t'aimais le frisbee, on serait venu plus tôt, hein, mon poteau? C'est pas l'heure du goûter. J'ai comme une petite faim, pas toi? Pourquoi pas un partage de croquettes, hein? Qu'est-ce que tu en dis, mon chaton? Jamais. Georges, croquette. Les vertes. Miam. Pas mes croquettes, non! C'est pas bon. T'es pas hyper sympa, caporal. Ta maîtresse t'a pourtant dit de partager avec ton cher ami Bill. Mais laisse donc Bill tranquille. Je te rappelle que vous allez passer la soirée ensemble. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, alors, mon bonhomme, jeté à l'œil.
Bill, file-moi un coup de patte pour retrouver le frisbee. Alors, Caporal, et cette partie? T'es prêt à prendre de la pâtée? Bill, au secours! Caro! Hasta la vista! J'arrive, Caro! J'ai mal au cœur! C'est bon, je te tiens! Tiens-moi, Caro! Bill, sauve-moi! Caro! Oula, mais qu'est-ce que vous avez encore inventé? Georges, au rapport! Qu'est-ce que c'est que ce charivari? Ma parole, on n'est jamais... Oh! Tiens-moi, Caro! Bill, descends tout de suite! Caporal! On ne bouge plus! Cause toujours, tu m'intéresses. Oula! C'est pas un perroquet! Une mise au pas s'impose, mon gaillard, mais chaque chose en son temps. Georges, commande vocale. Vrille inversée. Arc avant tous déployé. 28 degrés nord-nord-ouest. C'est bon! Cible appréhendée. Mission presque terminée. Pas si vite, mon mignon. Interception de chaton, de caporal. Madame Stick, je ne sais pas comment vous remercier. Ne cherchez pas, votre délicieux gâteau fera l'affaire. Quelle émotion! Jetez à l'œil, mon bonhomme! Aïe, 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 alors là, ça va chauffer. Mamma mia, tous aux abris. Rira bien qui rira le dernier. C'est insensé. Mmh. Vous avez entendu la voix de casserole de cette perruche? Oh, casserole, dîner. Caporal, mais tu as perdu l'esprit. Pour la peine, tu es puni. Pas de soirée avec nos voisins. Georges va s'occuper de toi. J'ai programmé un tas d'activités éducatives. Non. Ah oui, j'ai comme qui dirait eu un petit souci à la boulangerie. Alors pour le dîner, pas de flafla. C'est sandwich pour tout le monde. Ouais. Oui. Alors, Caro, quelle oreille? Celle-là. Gagné. Miam. Merci, Bill. Non, oh, y a pas de quoi. Chérie, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les splendides Rhythmix qui passent en concert ce soir. Je les adore. C'est quoi ça, les splendides Rhythmix? Un groupe de percussions brésiliennes. Tiens, écoute, ce sont les meilleurs. Tu te souviens, chérie, c'était notre premier concert. T'avais mis cette horrible chemise à fleurs jaunes. C'est pas mal. Ça pisse. On peut pas rater ça. Allô? Oui, c'est pour le concert de ce soir, je voudrais réserver, hein? Oh, c'est complet, c'est complet. Il n'y a plus une place de libre. Bon, ben, une autre fois. Oh non, j'avais oublié, j'ai un rendez-vous très important. J'avais vraiment envie d'aller à ce concert. À plus tard, tout le monde! Bon, j'ai des bricoles à faire dans le garage, moi. C'est ouf, les percussions! Regardez comme j'assure! Bill a raison! C'est super rigolo! Et les amis, si on faisait un concert surprise pour papa et maman, ça devrait pas être trop difficile de faire mieux que les splendides trucs! Génial! Trop bien! On va s'éclater! Oh,
Mais on n'a pas d'instrument comme les Splendides, nous. Oui, Boule a raison, Caro. Comment on va faire un concert sans instrument? Oh. Hey Et ça, c'est quoi? T'as raison, Bill. On va improviser. C'est exactement ce que je cherchais. Tada! Go! Maman? C'est pas vrai, mais où ai-je la tête? C'était chaud, on a failli gâcher la surprise. Allons jouer dehors, on sera beaucoup plus tranquille. Allez les amis, en rythme. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Boule, je cherche la passoire. Tu ne l'aurais pas vue quelque part, par hasard? Ben, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes momifiée. Ouais, c'est ça. On est en train de jouer à 1, 2, 3 soleil. Mais à la mode égyptienne. Voilà, il est super ce jeu. Je suis Bill le Sphinx. Et moi, je suis tout en carreau. Ouh, bien joué les copains. Ah, on sera mieux là. Mais faut qu'on joue tout doux. Il y a des oreilles partout ici. Non mais c'est pas bientôt fini tout ce tapage. Bonjour Madame Stick, désolée, on ne voulait pas vous déranger. Eh bien c'est fait, je vous avertis, si vous continuez à faire du bruit, j'appelle la police. Oh non, non, surtout pas. T'as compris, Cabot? Allez, rentre dans ta niche. Dis donc, on t'a pas sonné, le crotal. Arrête d'aboyer. Et surtout, arrêtez les bruits de casseroles. Vous me cassez les oreilles. Désolé, pas. On fait rien, on joue tranquillement, c'est tout. Vous pouvez jouer à 1, 2, 3 soleil égyptien plutôt, ça fera moins de bruit. Vous l'avez entendu? On joue si mal que ça, vous croyez? Mais non, on est des pros. Si c'est ça, on n'a qu'à aller jouer au parc devant un vrai public, on verra bien. Hé, regardez, le monsieur là, il a l'air d'aimer. Cool. T'inquiète, il a des croquettes dans les oreilles. Hé, hey, Bill! Oh! 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 Ah! Super! Une fan! Bah ouais, on assure! Cuillère, je peux, s'il te plaît? Merci. Waouh! Tada! Le truc, c'est qu'il faut rester en rythme. Allez, salut les musicos. Est-ce que ça veut dire qu'on est nuls? Mais non, pas du tout, Macaro. On n'est pas encore au poil, c'est tout. Je sais. On va former un groupe avec les copains. On se retrouve au terrain secret. Super idée. On fonce, nom d'un os. Un groupe de percussion? Chouette. Mais je jouerai de quel instrument? Tu dois bien avoir des cuillères chez toi. J'ai encore mieux que ça.
Pouf, tu viens jouer avec nous? Ben, je suis pas très fort en percussion, moi. Bien sûr que si, c'est comme se brosser les dents. Mais en rythme. Ah, comme ça? Ouais! Salut, Pluche. Ça te dirait pas de venir faire des percus, plutôt? Si, carrément, j'adore les percus. Allez, faut y aller. Ming! Hey, c'est quoi ce truc? Ben, ça se voit, non? C'est juste un os qui fait du bruit. Génial, ce truc! Tu voudrais pas faire partie de notre groupe par hasard? À fond, je vais carrément assurer. Vous êtes prêts? Allez, ça va swinguer! Oui, mais avant, il nous faudrait un nom de groupe. Les rois du boucan, c'est pas mal, non? C'est mieux, non? Et si on s'appelait plutôt les Magiques Percus? C'est un super nom de groupe, ça! Oh ouais, trop bonne idée! Ouais! Ouais, trop cool, ce nom! Vous êtes prêts? 1, 2, 3! Oh non, c'est une vraie catastrophe! On va jamais y arriver si on continue à jouer comme ça. Allez les musicos, faut qu'on joue bien ensemble et en rythme. Ah, pas mal du tout les copains. Écoutez-moi ça. J'attends. Oh, c'est vrai? Oh, merci beaucoup, monsieur. Vous êtes mon héros. Ouais! Oui! Yeah. Papa, maman, on vous a préparé une super surprise. Alors ça, c'est marrant. Nous aussi, on a une super surprise pour toi. Surprise! Hein? Papa a réussi à avoir des places pour le concert, finalement. C'est génial, non? Trop génial! Sois gentil avec Julie! Elle est là pour te garder. Alors amusez-vous bien et soyez sages! Bonne soirée! Boule, ça va? T'as l'air bizarre. Bon, Julie, papa et maman sont partis, alors c'est toi qui vas faire notre public! Ah bon? On est les Magiques Percus! Vous êtes trop mignon. Merci les amis, on forme un super groupe. Non mais c'est pas bientôt fini tout ce boucan. Super. On devrait peut-être faire une tournée mondiale. Ou peut-être pas. C'est pas vrai, tu vas pas nous refaire le même coup tordu à chaque fois. Ici.
Laisse tomber, Bill. Je vais demander à papa de sortir son échelle. Je l'aurai. Pas mal pour un caniche. Un caniche? Attends un peu que je t'attrape, sac à puce. Hein? Ce chien a vraiment le quotient intellectuel d'une petite cuillère. Oh, caporal, attention! Hein? Bill, tu viens de me sauver la vie. Tu es mon héros. Et moi, je passe tout mon temps à essayer de te pourrir la vie. Mais non, n'importe qui aurait fait pareil. Allez, ne pleure pas, c'est rien. Un câlin, un câlin, un câlin, un câlin. J'ai une dette envers toi, Bill. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Ah ouais, tout ce que je veux. Allez, papa, t'es trop fort. Oui, t'y es presque. Quoi? Les frisbees sont tous sur le toit? C'est la 12e fois en 3 jours. Je suis sûr qu'ils le font exprès. Non. Hey. Hein? Non, mais c'est pas vrai, j'hallucine. De rien. Non. Merci, papa. Mais où est-ce qu'il est passé? Hein? Ça va comme ça. Oh, plus haut. Oh oui. Oui, oh oui, là c'est bien. Décidément, on aura tout vu dans cette maison. Pendant que tu y es, tu peux changer l'eau de ma gamelle. Elle est un peu tiède. Moi, je reprendrai bien un brin de salade. Toi, on t'a pas sonné, le reptile centenaire. Tout de suite, madame. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oh. Surtout, tu te sens pas obligé de nous suivre partout, hein. On n'est jamais trop prudent. Un accident est si vite arrivé. Oh là 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 là. Je rêve depuis quand les chats font la circulation. Oh, tu as vu ça? Bill a un nouveau garde du corps. Eh hey Bill, ton nouveau copain t'a appris à te servir d'une litière? D'abord, c'est pas mon copain. Et ensuite, il va finir par me rendre dingo. Merci, caporal, t'en as assez fait. On est quitte. Tu me dois plus rien du tout. Tu rigoles. Je te dois la vie, copain. Ce pot de colle ne me lâchera pas d'un poil tant qu'il n'aura pas payé sa dette. Nom d'un os. Mais bien sûr, j'ai juste à lui faire croire qu'il m'a sauvé la vie. Hein? Hey Bill, attends-moi. Yip les gars, ça roule? Yip Bill, bah alors t'es pas en train de faire joujou avec une pelette de laine? Eh ben, les nouvelles vont vite par ici. J'ai besoin d'un coup de patte, les copains. Faut que je me débarrasse de caporal. Salut les gars. Bah, je sais pas, faut voir. On y gagne quoi? Ma reconnaissance éternelle. D'accord, si vous m'aidez, je vous dis où j'ai enterré mon plus bel os à moelle. Tu parles du gros que t'as eu à Noël? Merci, conclu. Super, voilà ce qu'on va faire. Un moustique plus gros qu'une vache, je vous jure. Allez, viens, caporal, par là. Ils sont où, Ming et Pluche? Oula, Gringo, ce parc n'est pas assez grand pour... qu'est-ce que je devais dire déjà?
C'est pas assez grand pour nous trois. Ah oui, ce qu'il a dit. Et prépare-toi à mourir. Aïe-ya, ya, 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 ya. J'avais dit menaçant, pas ridicule. T'inquiète pas, Bill, je viens à ta rescousse. Mais les règles du parc, sans collier, on n'entre pas. À la fourrière. Revenez ici tout de suite, sale cabot. Oh, quoi? Non, mais j'y crois pas, là. Est-ce que tout va bien, Bill? Oui, caporal, tout va très bien. Tout va bien. J'ai pas encore dit mon dernier mot. T'es sûr que tu veux pas jouer avec nous? Oui. Bill? 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 Alors, je récapitule. Quand tu entends mon signal, tu pousses le pot de fleurs de la fenêtre du premier. Je crie Aaah! Caporal me tire hors de danger et hop, il m'a sauvé la vie. Des questions? Non, non. Bon, alors il n'y a plus qu'à. Waouh! C'est un temps parfait pour une promenade autour de la maison, non? Tout ce que tu veux, tant que ça te fait plaisir. Et quand il passe sous la fenêtre, je pousse le pot de fleurs dès que j'entends le signal. Oh! C'était quoi déjà le signal? Toi, je sais pas, mais moi en tout cas, je mangerai bien un petit panini aux chèvres et aux poulets. Un panini aux chèvres et aux poulets. Hein? Aux chèvres et aux poulets. Un panini? C'est bien une idée de chien, ça. Ben, c'est juste que j'aime par-dessus tout les... Panini aux chèvres et aux poulets. C'est le signal! Vite! Oups! Attention! Aïe! Oups! Désolé! Aïe! Tout va bien, papa? Oui, ça va aller. C'est peut-être moins dangereux de jouer dans le salon, non? Quelle chance que ce pot ne soit pas tombé sur nos têtes! Ouais, comme tu dis, on a vraiment eu de la chance. Je me demande bien ce qu'ils ont de si important à se raconter, ces deux-là. Oh, le gentil minou. T'es pas si méchant. Alors je vais t'expliquer une dernière fois. Je lance le frisbee, tu l'envoies sur le lampadaire que tu escalades en simulant une crise de vertige pour que Caporal te sauve la vie. Oh, bah tu vois, j'ai compris. Ah, c'est pas trop tôt. À toi, Caro. Oups, ça va pas plaire à papa. Bill, depuis quand tu grimpes au lampadaire? Et voilà, maintenant je n'ai plus qu'à crier au secours. Au secours! Caporal, je veux descendre! Oh là là, Bill joue trop bien la comédie. Franchement, on y croirait presque. Bill a besoin de moi. Caporal, tu peux pas savoir à quel point je suis contente de te voir. Tu pourrais me faire descendre. Bah en fait... Quoi? La toiletteuse m'a limé les griffes ce matin. Impossible de m'en servir pour escalader. Pas de panique, Bill. Je vais venir te chercher. Papa! Maman! Au secours! Je suis trop jeune pour mourir. Qu'on me fasse descendre de là! Au secours, papa! Ne me dis pas que tout ça, c'est encore à cause de ce fichu frisbee. Bon ben, vous n'avez qu'à sauter et je vous rattrape. Non mais ça va pas la tête. Saute. Jamais. Pas question.
Ah, ces garçons, aucun sens pratique. Et voilà. Bonne idée, ma chérie. D'ailleurs, je m'apprêtais justement à aller la chercher. Merci, maman. Bill, tu mérites un Oscar pour ta crise de vertige. En tout cas, c'était une meilleure idée que le coup du pot de fleurs sur la fenêtre. Quoi? Alors le lampadaire, le coup du pot de fleurs qui tombe, les chiens méchants au parc? Tu avais tout manigancé? Oups, désolée. Attends, Caporal, laisse-moi t'expliquer. Y'a rien à expliquer, tu t'es bien payé ma tête. Puisque c'est comme ça, j'en ai terminé avec toi. Je ne te dois plus rien du tout. Et ça me va très bien, sa capuce. Redis-moi ça si tu l'oses, espèce de sale capot dégénéré. Tu l'auras bien cherché, Caporal. Caporal, où es-tu? Oh. Encore des prospectus sous mon portail. Au lieu de dormir, tu ferais mieux de donner l'alerte quand on pollue le jardin. L'idiot de chien des voisins, au moins on l'entend. Oh. Et si c'était ça la solution? Avoir un chien pour monter la garde? Un chien? Ici? Ces imbéciles de chiens qui creusent des trous. Quand ma maîtresse va voir ça. Oh, quelle horreur! Avec un chien! Adieu, ma belle pelouse! Non, merci! Je l'avais dit. Qu'est-ce qu'il y a, Bill? Ma voiture! Youhou! Tu l'as retrouvée! Bravo, Bill! Attends, c'est toi qui l'avais pendant tout ce temps-là? Bah quoi, tout ce qui est à lui est à moi, non? Mon Bill, t'es le meilleur. Ah ça, c'est pas moi qui le dis, hein? Oui. Regarde, il retrouve les objets perdus avec son flair. Tu ne sais pas le faire, ça, toi. Oui, bon, bah ça va. Bonjour, Madame Stick, je peux vous aider? Non, oui, je suis venue voir votre chien parce que moi aussi je vais peut-être en avoir un. C'est vrai? Ouais, alors ça c'est génial. Un voisin chien, ce serait top. On peut aller au parc avec Bill si vous voulez. Comme ça vous verrez tout ce qu'un chien sait faire. Pourquoi pas? Bon, je vous rejoins dans 5 minutes. Après ce que je vais lui montrer, c'est pas un chien qu'elle voudra, mais 10. Toi, tu restes ici. Tu n'es pas très doué, mais tâche quand même de garder la maison en attendant. Ça se passera pas comme ça. Je vais la dégoûter des chiens, moi. Alors, qu'est-ce que je lui montre? Qu'un chien, c'est musclé. Qu'un chien, c'est agile. Bill, montre-lui comme tu attrapes bien la balle. Non, mais ça va pas. Boule est devenue ma boule. Allez, Bill. Il veut que tu fasses le chien normal. Tu sais, tous les chiens sont pas super doués comme toi. Pas question. J'ai ma fierté. Allez, Bill, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je croyais que ça obéissait, les chiens. Je commence à changer d'avis. Mais non, attendez, il va obéir. C'est ça, Bill, comme ça. Ouais, c'est bien. Maintenant, donne-moi la papatte. Hein?
Tu me prends vraiment pour un chien, là. Ah, à moi, à moi. Fais le beau. Il fait quoi, là? Faire le beau, c'est pas faire le top modèle. C'est se mettre debout sur les pattes arrière. Mais c'est le toutou à sa belle-mère, ça, hein? Oh oui, 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 oui. Oh oui, 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 oh oui, 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 oui. J'espère que j'ai gagné une double ration de croquettes avec ce numéro débile. Ça vous dirait de faire un petit tour avec Bill? Les chiens ne doivent pas être en laisse pour ça. Je rectifie. Je veux une triple ration de croquettes. Oh, 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 c'est agréable de promener son chien. C'est pas comme un chat. Ah oui, va voir ça. Je crois que c'est décidé. Je vais m'acheter un chien. Bill, arrête! Madame Stick, tout va bien? Pas besoin de chien, finalement. Je préfère encore les prospectus. Je vais faire une petite sieste de 10-12 heures. Oh. Et si Bill montait la garde pendant votre sieste? Avec lui, personne n'irait mettre des prospectus dans votre jardin. Ouais, on peut essayer. Allez, Bill, c'est notre dernière chance pour la convaincre d'avoir un chien. Je serai à la fenêtre pour t'aider à surveiller. Pas de problème, je gère. Super. Moi aussi. Et voilà. Hein? Mes prospectus! Oh. Record du monde de saut de corbeille! C'est bien, Bill! Continue! Hé, hey, oh, j'ai du travail! Tu me déconcentres! Si tu savais ce que je te prépare. Je n'ai peut-être pas de flair, mais j'ai du génie, moi. Nom d'un chat de gouttière. Hé, hey, Bill, arrête, ça va pas ou quoi? Hé, hey, Boule, qu'est-ce qu'il lui prend à ton chien? Il travaille. Nonos de Bill. J'ai peut-être pas de chance, mais j'ai des idées. Ah, Caroline! Oups, désolée! Oh, oh, c'est pas vrai! Où est-ce qu'ils sont, ces prospectus? Oh.
pleut des os. Ben révise ta grammaire, Pluche. On dit de l'eau, pas des os. Ah, ben tu vois. Hé, hey, les cabots. Si ça vous dit, je sais où il y en a plein d'autres qui sont enterrés. Chaud devant. Qu'est-ce qui manigance? Hé, hey, Bill. Toi aussi, t'es au courant qu'il y a plein d'os enterrés, là? Des os enterrés? Mais c'est les miens. Eh, hey, ça va pas, la truffe? Voleur. Et maintenant, sous vos yeux, le bouquet final. Bill, arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Ça sort d'où, ça? Quand même, ils sont pas envolés, mes prospectus. Déguerpissez de là ou je vous ventouse le derrière. Et toi, tu fais rentrer des chiens errants et le jardin est plein de prospectus. Et voilà le travail. Caporal. Ah là, c'est sûr, je n'aurai jamais de chien. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme animal contre les casse-pieds? Ah! J'ai trouvé! Je vais adopter un putois! Un putois? Pitié, pas de putois! Bill, apprends-moi à être un chat de garde! Même pas en rêve! Tu peux toujours courir, chat de malheur! Mes prospectus! Caporal? Au secours! Arrête! Finalement, pas besoin de putois. Avec mon petit caporal, je suis tranquille. Oh non! Aïe, pas mon pantalon!